Le monde des animés est rempli de choses diverses et variées, que ça parte du simple shonen à des chefs-d'œuvre juste waouh. Bref, salut les gens, c'est Mirai et aujourd'hui je vous présente un animé qui selon moi est à voir absolument, Maggie, The Labyrinth of Magic. La première diffusion de cet anime a été en 2012 par les studios A1 Pictures. Il a connu un très grand succès au Japon et un peu partout en Occident car il est disponible sur pas mal de sites. Il compte à ce jour 25 épisodes ainsi qu'une saison 2 qui vous feront juste bander. Oui, c'est le mot, c'est un shonen genre aventure fantasy, type classique quoi. Tout au long de l'histoire, nous suivrons la quête d'Aladin, un jeune enfant possédant un djinn nommé Yugo. Bête mystique, magique, enchantée, vous le découvrirez par vous-même. Enfant bien curieux et bien attiré par les jeunes filles. Il rencontrera par la suite Ali Baba qui rêve de parcourir le monde et de conquérir tous les labyrinthes. Grande bâtisse type gratte-ciel arrivée sur Terre quelques années auparavant, possédant des récompenses juste inestimables. Nos deux compères partiront alors dans cette folle aventure, apprendront la magie, rencontreront des rois et des princes, des amis, bref une histoire bien mouvementée avec un univers juste dingue. Cet animé m'a conquis de par notamment ses personnages, on ne se fait jamais chier, l'humour est présent et on apprend pas mal de choses sur leur passé plutôt intéressant. Leurs caractères sont différents, leur magie les départagera ainsi que leur djinn, car oui bordel ils auront du style, voilà qui me fait parler des combats. Là les gars, je vais juste me taire et vous laisser admirer. Bon, puis après ça, l'univers est dingue, semblable à l'Antiquité en Égypte, qui est un monde, moi, personnellement, qui m'a toujours attiré. Les OST aussi, ah là là, putain du pur bonheur, ainsi que l'opening, qui est plutôt sympa. Il est compliqué de vous donner l'envie de regarder Maggie et de ne pas spoiler en même temps, car il y a tellement de choses à dire. Donc je vais vous laisser aller bouffer cet anime en deux, car il en vaut vraiment le coup, et vous ne serez pas déçus. Sur ce, c'était Mirai, tu sais quoi faire, le like et le sub, si t'as envie de me soutenir, les commentaires sont là pour vous permettre de donner votre avis. Sur ce, Jana.